those tawny lips. Let me taste your bitter kiss. Oh, you. With those seasoned eyes. Let me walk inside your smile. All my nerves are tearing me down. Won't you just come over here and take away this frown? Cause I can't sleep. Right. I don't see. Right. I won't feel. Right. Until you're mine. Mine. I can't sleep. Right. I don't see. Right. I won't feel. Right. Until you're mine. Mine. Oh, you. You. Just walk away. Walk away. Before walk I break. Just not fair how you kill me with just one stare. All my nerves are tearing me down. Won't you just come over here and lick away this frown? Cause I can't sleep tight. I don't see right. I won't feel right. Until you're mine. Mine. I can't sleep tight. I don't see right. I won't feel right. Until you're mine. Mine. Can't sleep tight. Don't see right, won't feel fine until you're mine. Can't sleep tight, can't sleep tight. Don't see right, don't see right. Won't feel fine until you're mine. Until you're mine. Can't sleep tight, don't see right. Won't feel fine until you're mine. Don't see right, be mine, baby. Be mine, baby. Until you're mine. Until you're mine. Je ne veux pas te mentir, Cathy, je suis inquiète. Pourquoi? Il y a plein de jeunes qui le font. Mais tu n'es pas plein de jeunes. Tu as traversé des épreuves. Tu es quelqu'un de fragile. Il te faut un cadre solide. Et alors, il n'y a qu'à la fac que je peux trouver un cadre solide? Eh bien, dans ce cas, Madame Atsuo, je... Cathy... Je suis sérieuse. Écoute-moi. Si tu tenais un journal intime. Ou un blog. Pourquoi faire? Il faudra t'y plier chaque jour. Ça te permettra de travailler l'expression. Et enfin, ça te fera réfléchir sur la vie. Ouais, c'est une merveilleuse idée. Si j'ai dit oui, c'était juste pour échapper à son haleine végétalienne. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Mais j'avais tort. Bordel. Me voilà en train d'écrire un blog. Enfin, peu importe. Je vais commencer par vous dire un secret. Quelque chose que j'ai jamais raconté à personne. Si j'ai décidé de prendre une année sabbatique, c'est à cause d'un garçon. Plus vieux que moi. Un homme, en fait. Et c'est l'homme le plus merveilleux. Oh, mince, je dois filer. Entre Dan et moi, il y a une règle très stricte. On ne parle ni de sa copine, ni de mon copain. Dan enseigne le cinéma dans un excellent collège communautaire. Du coup, on regarde que des films sérieux. J'ai l'impression d'être plus intelligente quand je suis avec lui. La perspective la plus réjouissante de cette année sabbatique, c'est que je vais pouvoir poursuivre mon éducation. Jack et Jill sont en haut de la colline. Ah.
Tu te lâches pas assez à la fin. Désolée. Non, tant pis pour toi. Je voulais te parler d'un truc. Je vais me rapprocher du campus. Pourquoi ça ? Regarde ce bouge, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'être encore étudiant. T'as déjà trouvé un appart ? Ouais, il est super. Je peux emménager vers le 15. Et il est où ? Une demi-heure d'ici. Alors, on se verra plus jamais. Bien sûr qu'on se verra, c'est pas grave. C'est quand même pas la fin du monde. Non, tu voudras pas venir me chercher pour m'emmener dans ton appart et me raccompagner chez moi quand on aura fini. Ça te fera 2 heures de route. Et si jamais on nous voit, enfin, tu sais bien que j'ai raison. Si mon père m'avait offert la voiture qu'il m'avait promise, alors ce serait simple et je pourrais me déplacer. Attends. On va trouver une solution, ok ? Il y aura pas de problème. C'est promis, crois-moi. Allez. Maintenant, je suis sûre qu'il m'appellera quand il aura déménagé. Tu crois pas qu'il serait temps de chercher un boulot au lieu de glander ? Mais je glande pas. Je tiens un blog. Depuis quand ? Une semaine. Comment s'appelle ce blog ? Je te le dirai pas. Et inutile de chercher parce que j'utilise un pseudo et je change plein de détails de ma vie. Pourquoi ? Parce que s'il n'y avait ne serait-ce qu'une chance que quelqu'un devine que c'est moi, ça me convaincrait de mentir. Quel est l'intérêt d'un blog si on ne dit pas la vérité ? Salut bébé. C'est quoi ce nom ridicule ? Ça va, elle a 46 ans. Alors, raconte quel est le programme du jour. Télé, internet, une longue et douce sieste. Je vais trouver un job. Au fourneau ou à la plonge? Ha ha, ni l'un ni l'autre. Un truc passionnant et qui paiera très bien. Désolé de t'apprendre la nouvelle, jeune fille, mais l'économie est au plus mal. Pour le moindre boulot, il y a plus de 20 postulants. Tu sous-estimes mes pouvoirs, vieux terrien. Aujourd'hui, un lecteur m'a envoyé un de ses questionnaires à la con. Ce qui n'est qu'une façon détournée de parler de soi. Quel est ton chiffre préféré ? 69. Parfois, 96. As-tu déjà embrassé quelqu'un et regretté après ? Oui. Tom Lovelace. Il avait 16 ans et moi 11. C'était mon premier baiser avec la langue. On aurait dit un ver de terre. Tu crois aux horoscopes ? Non. C'est pas le genre des Sagittaires. Vous êtes sûr ? Entrez. Où est passé Jonas ? J'ai repris l'affaire. J'ai racheté la boutique. C'est dingue, une tonne de bouquins. Avant, je venais ici acheter le cadeau de Noël de mon père. Il est journaliste sportif. Enfin, il était. Aujourd'hui, il picole. Sam Johnson's Bookshop. Mm-hmm. Ravi de vous connaître, Sam. Non, Sam, ce n'est pas moi. Ça fait longtemps qu'il est mort. Le docteur Samuel Johnson est l'auteur du premier grand dictionnaire d'anglais. C'est votre héros ? Oui, parmi d'autres. Mm. Est-ce que les livres vous passionnent ? Ça pourrait venir. Glenn Warburg. Cathy Kampenfeldt.
3 jours par semaine et 12 dollars de l'heure. Waouh ! Et c'est simple, je dois juste accueillir les clients pendant que Glenn s'occupe de la boutique en ligne. Je dois reconnaître que t'as réussi. C'est bien, mon cœur. T'as fait vite ? Oui, je suis moi-même très impressionnée. Ce Glenn, il a un nom de famille ? Warburg. Il est marié ? Pourquoi ? Tu penses qu'il veut avoir des relations sexuelles avec moi ? Oui, j'y ai pensé, oui. Cette moustache est dégoûtante. Ça ne fait que 16 jours que j'ai commencé ce blog et j'ai déjà entre 450 et 500 visiteurs par jour. Les mots les plus fréquemment utilisés pour me trouver sont lycée, université, blonde, sexe et sexe oral. Ce qui veut dire que vous êtes pour la plupart de gros cochons solitaires et dégueulasses. Mais je sais qu'il y a aussi parmi vous des gens tout à fait normaux qui ont simplement envie de lire les confessions d'une jeune... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi. Entre ! Intrusion du petit copain. Pause. Je croyais que t'avais une répétition. Qu'est-ce qu'il y a des partiels ? Ça ne vous choque pas que je trompe Rory. Mais par contre, ça ne vous plaît pas du tout que je fasse ça avec un mec plus vieux qui a une copine. En fait, je ne savais pas que Martine existait. Mais la troisième fois que j'ai fait mumuse avec Dan, je suis tombée sur sa plaquette de pilules dans un tiroir de la salle de bain. Mais c'était trop tard. J'étais déjà accro. Il est 18h. Oui, c'est l'heure. 288 dollars en liquide et un billet de 2 dollars porte-bonheur. La semaine fut bonne ? Impressionnante. J'ai presque fini le livre de Barbara Cummins. Merci de me l'avoir conseillé. Tout le plaisir est pour moi. C'est le premier bouquin que je lis depuis l'école primaire qui n'est pas dans le programme. Ainsi vont les choses de nos jours. C'est fort dommage. C'est vrai, ça. Je ne peux imaginer la vie sans de grands livres. On n'est jamais aussi près des anges. Mais comment ça ? Pour moi, la lecture, c'est la transcendance par excellence. Attendez, expliquez-moi ce que ça veut dire. Quoi, transcendance ? Ça veut dire bien au-delà du simple monde physique. C'est une expérience spirituelle. On n'y accède pas, hein ? Par la littérature, les grands tableaux, la grande musique, tous les arts. Les films d'art et d'essai, ça marche aussi ? Du genre Fellini ou Buñuel ? Bien sûr. C'est cool. And I knew it from the start, you would break my heart, but I fell for you. No matter how hard I try, change what's inside. Dan a même pas appelé pour me dire au revoir. Si j'arrive pas à me dégoter une voiture, je le reverrai jamais. T'as vu la taille de ce putain d'abruti de Black ? Quoi de neuf ? Disons que c'est plutôt difficile maintenant que mes amis sont tous partis étudier à la fac. Je suis là à traîner chez moi à longueur de journée. Je peux même pas me déplacer, je vais nulle part et je me sens... Demande une voiture à la vieille chouette. Elle voudra jamais. Elle croit qu'on est pareil tous les deux, que je vais sortir, boire des bières et rentrer dans un arbre. Elle et sa morale de merde. Si elle avait le pouvoir, on boirait tous de l'eau bénite. Au robinet divin du pape. T'as trouvé ça toute seule ? Non, c'est toi. Tu m'en diras tant. Et l'autre tête de nœud, il peut pas t'emmener en balade ?
Non, pas vraiment. On a rompu hier soir. Pourquoi ça? Il me foutait la pression. Il voulait coucher avec moi et pour moi, c'est trop tôt. Merde alors. J'ai au moins fait quelque chose de bien. Papa, depuis toute petite, tu m'as dit que tu m'achèterais une voiture une fois que j'aurai mon bac. Maintenant, tiens ta promesse. Papa, juste cette fois, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu m'avais promis de rester mon petit ange pour la vie entière. Que jamais tu grandirais. Regarde ce que t'es devenu. T'as même des nichons. Jade est enfin rentrée. Elle était partie voir sa grand-mère en Grèce. Jade est la seule fille avec qui je m'entends bien. L'année dernière, il y avait une rumeur qui courait. On nous prenait pour des gouines. Je me demande bien pourquoi. Je veux tes soeurs ! Je veux ton cul ! Je veux tes doigts ! Je veux tes fesses ! Je veux tes fesses ! I'm finding it true when I'm hanging around you. I think it's easy to say. My boyfriend is in junior high. His real age is just one big lie. I wish I would have known at first. Faut pas se voiler la face. S'il vivait ici, on finirait par ne plus se voir en peinture. Au moins comme ça, ça restera un merveilleux souvenir. À chaque fois que tu pars en vacances, tu tombes amoureuse. Je sais, je suis une rockstar. Ça faisait à peine 2 jours que j'étais à Corfou. Je t'ai dit que Dan avait déménagé. Ouais. J'ai aucune nouvelle, quelle humiliation! Attends, tu baisses pas avec lui quand même? Non, t'es folle! Il a 32 ans et il a une copine. Et toi, tu sors avec l'enfoiré de Rory. J'arrive pas à croire que vous soyez si nombreux à me suivre. Moi qui d'habitude ne suis célèbre que dans ma tête. Je voudrais te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi. Toi, reste là. Et habille-toi un peu, on a des voisins. Est-ce que papa est mort? Mauvaise nouvelle. Ton salaire de départ m'a semblé bizarre et j'ai demandé à un copain qui est dans la police de creuser un peu. C'est lui ton patron? Glenn est coupable de viol? D'agression sexuelle, pour parler de façon précise. Ça peut prendre des formes diverses. Mais oui, on peut parler effectivement d'un rapport non consenti. Tu ne peux pas continuer à faire ce travail. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Je vais te dire ce qu'il faut faire. Le copain de ma mère est associé dans un grand cabinet d'avocats. Ils se disent que ça fera bien sur mon CV si jamais je veux faire du droit. Ce qui est probable. Il faut que j'arrête ce travail. Oh, c'est une grosse déception. Pour moi aussi. Vraiment. Vous êtes une belle personne, Katie. J'ai été ravie de vous connaître. Vous allez me manquer. C'est gentil. Vous aussi. Au revoir, Glenn.
T'as pas un slip à me prêter? Allô? Catherine? C'est Cathy, en vérité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je m'appelle Paul Spooner. Je vous ai fait passer l'entretien à Tufts University. Oh, oui, bien sûr que je me souviens de vous. Bonjour, Paul. Oh, vous savez que j'ai réussi. J'ai juste décidé d'attendre un an. Je sais. C'est précisément pour ça que je vous appelle. Vous ne cherchez pas un boulot par hasard? Ça, c'est... totalement dingue. J'avais un boulot il y a encore 10 jours, mais j'ai dû arrêter parce que... il se trouve que mon patron était accusé d'agression sexuelle dans le temps. C'est horrible. Ouais, et plus encore pour la nana qui l'avait agressée. Oui. J'ai retrouvé du boulot! Écoute, je te rappelle, d'accord? Quelle bonne nouvelle! Et qu'est-ce que tu vas faire? M'occuper d'un gosse. Je suis payée $12 de l'heure. Et... ils vont me laisser une voiture! Une voiture! C'est une Volvo! Je vais avoir une Volvo! Quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Est-ce que tu leur as dit que tu n'avais aucune expérience? Pourquoi je leur dirais? Chérie. Quoi? 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 Pourquoi tu as une attitude si négative? Catherine. Cathy. Oh mon Dieu, comme tu es mignonne. Et toute menue. Entre, je suis Margaret Spooner. C'est un vrai plaisir que tu sois là. Tu es un cadeau du ciel. Oh, c'est gentil. Oui. Viens, je te fais visiter. C'est vraiment joli ici. Ah, merci beaucoup. Je suis architecte d'intérieur et donc... c'est mon truc. Tu viens de rater Paul. Il bosse pour un fonds d'investissement. Il est toujours en voyage, mais il va rentrer vendredi. Donc, Paul disait que tu t'étais souvent occupée de nourrissons, c'est ça? Oh, non, pas trop, mais un peu, oui. Moi, j'y connaissais rien quand Kyle est venu au monde. Ok, tu sens cette odeur? C'est l'odeur du caca de bébé, on dirait du pop-corn au beurre, typique des bébés qu'on allait être comme Kyle. Vas-y, première leçon, prends-le. Ah oui? Oui, fais bien attention à sa tête. Comme ça. Tu y arrives? Ouais. Il est content. Assez de reproches, je sais que j'ai rien posté cette semaine. Mais j'ai été débordée, j'ai appris à m'occuper d'un bébé. Super Nanny Catherine Kampenfeld. Le vol a été long? C'était interminable. Où est Maggie? Elle donne le sein à Kyle. Alors viens, faisons connaissance. Donc raconte-moi, comment s'est passée cette première semaine? C'était génial. Margaret est un excellent professeur. Et Kyle, un bébé charmant. Beaucoup plus mûr que mon copain. Tu n'imagines pas à quel point je suis content que tu sois là. Tu te souviens comment on a ri à ton entretien? Pour être franche, pas vraiment. Pour moi, Tufts, c'était un peu une solution de repli. C'est pour ça que tu étais aussi sûre de toi. Hé, salut. Mon cœur. Oh, désolée. Ta paye. Mais j'ai pas fini, il est 3h15. Ok, bon week-end alors, à lundi. Tu te souviens quand j'avais un petit cul comme ça? Au revoir. Hier soir, 5e vendredi consécutif sans appel de Dan.
Et comme j'ai pas le droit de l'appeler, ni de lui envoyer un mail ou un texto, je peux absolument rien faire. Ma grand-mère m'a dit un jour, « Ne prends jamais de décision importante pendant tes règles, parce que tu as de grandes chances de faire une bêtise. » Mais je m'en fous. J'en peux plus d'attendre. Salut! Salut! J'ai un plan diabolique. Les plans que je préfère. Oh, Dieu, faites qu'il décroche ce téléphone. J'ignorais que t'étais si croyante. Seulement quand j'ai pas baisé depuis longtemps. Allô? Pou pou iki no torolo e pou fachame e testo bagno sto saloni e morfia sta mu treno. It's enough. Vous faites erreur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Où est le truc qu'on a mangé dans les sanitaires du salon de beauté de la gare des trains de banlieue? Génial. Ouais. Ok, quand on se trompe, on rappelle en général, hein? Oui. On réessaye, il va peut-être répondre. Pourquoi il lui laisse son téléphone? C'est elle qui lui prend. C'est une Anglaise folle de jalousie. C'est pour ça que je peux pas l'appeler. Ok. Allô? Hé, hey, c'est moi, rappelle-moi vite, c'est important. Bye. Ah, tu l'as fait. Ok. On regarde un porno. Salut, Jade! Je t'en prie, m'en veux pas. J'ai une voiture. Une Volvo. Allô? Oui. Du coup, je peux venir te voir quand tu veux. Tu te souviens de la toute dernière fois? La façon dont je t'ai touchée. J'ai envie de le refaire. Mais cette fois avec ma bouche. S'il te plaît. J'ai vraiment envie. Paul a gagné une fortune aujourd'hui parce qu'il avait prévu l'effondrement du cours d'une action. Il nous a ramené des chocolats belges et du champagne. Moi, j'ai été excitée comme une puce à l'idée de mon rendez-vous avec Dan. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'aimais le monde entier. You're calling me on my phone, it's 2 in the morning. Boy, you just ain't the type that a girl gon' hit once or twice. Wanna sing you all my slow jams. So come put it on. Tu fumes maintenant? Ouais. J'ai fait une connerie, là. Ah, tu vas pas mourir pour une clope? Non, je parlais de ça. Je viens juste d'avoir mes règles.
C'est pas ce que je veux dire. C'est mon âge alors. Tu sais qu'à minuit, c'est mon anniv. Voilà, en fait, tu comptes beaucoup pour moi. Mais... Ok, avant de me plaquer, laisse-moi te parler. Martine te traite comme une sous-merde. Tu devrais la plaquer et sortir avec moi. C'est mon âge qui t'affole, mais on n'est pas obligé de rendre ça public. Je te le promets. Je te présenterai pas à ma mère et j'ai pas besoin de parler à tes amis. Tout ça restera entre nous. On fera l'amour tous les deux, on passera du bon temps, on matera les films que tu aimes. Et ensuite, quand je commencerai mes études, on se séparera à l'amiable. Et on restera bons amis. C'est parfait. Joli programme. Dis oui. Non, Cathy. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fiancés, Martine et moi, mi-octobre. Alors dis-moi ce que cette fille a de plus que moi. Cathy... Je t'ai posé une question. Il y a des choses qu'on partage plus facilement au même âge. Comme quoi ? Sur le plan intellectuel, on s'entend parfaitement. C'est pour ça que t'as déménagé. Tu t'es installée avec elle. Elle habite ici. Où tu étais ? Tu devais pas travailler en groupe ? On a fini il y a déjà une heure. Où t'étais ? J'ai vu un film. Tout va bien, chérie. Tu as pleuré ? Hey, on ne frappe pas une femme ! Ne fais plus jamais ça ! Disparais de la vue ! Tire-toi avant que je t'envoie en tôle ! Tu peux me dire ce qui s'est passé ? Laissez-moi, s'il vous plaît. Ok. Marc ? Ouais. Merci. En fait, ils étaient fiancés. Ils viennent d'emménager ensemble. Je suis vraiment une imbécile. Oh, mon petit cœur. Dommage que tu ne m'en aies pas parlé plus tôt. Je t'aurais mise en garde. Il ne faut jamais s'engager dans une histoire quand il y a une troisième personne. On perd presque toujours. Vous n'avez pas couché ensemble ? Bien sûr que non. C'est que je suis concernée. Désolée. Tu me souhaites pas mon anniversaire ? Oh, ma chérie. Pardon, mon cœur. Bon anniversaire. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour fêter ça ? Je sais pas du tout. Heureusement que je m'appelle pas Cathy et que je suis tout à fait invisible aux yeux du monde. Parce que sinon, je mettrais sans doute fin à mes jours, tellement je me sens humiliée. Tu restes amie avec tes ex ? Uniquement s'ils acceptent que ça reste platonique. Ça n'est encore jamais arrivé. Est-ce que tu fais pipi dans l'eau de la piscine ? C'est ce que je préfère. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta chambre ? Mon cœur. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ta chambre ? Mon cœur. Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci ?
Une voix dans ma tête qui me dit qu'il va m'arriver un truc fabuleux d'un instant à l'autre. Forcément. Je sais que c'est hors de prix, mais il faut pourtant en passer par les produits bio. Absolument, la viande bio est à tomber. L'autre jour, j'ai fait un gigot, il était gros comme ça, je vous promets. Excusez-moi, il s'est endormi ? Comme une souche. Ah, chouette. Je t'ai dit que tu étais ravissante. Vous m'étonnez. La nuit dernière, j'ai à peine dormi 2 heures. À cause du Père Noël ou d'une déception amoureuse ? Une déception amoureuse. Ah, bon débarras, j'en suis sûre. Tu trouveras mieux. Je trouverai pas pire. Moi, j'ai un neveu. Ah. L'avenir t'appartient. Santé. Je pensais que c'était nous, les méchants. Mais pas du tout. Non, 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 non. Les hommes sont tous pareils. Les peaux rouges, les blancs, les bleus, les verts. On est tous pourris. Vous savez ce qu'ils aimaient aussi beaucoup, les Apaches ? La sodomie. La plupart des gars du 7e régiment de cavalerie dirigé par le général Custer ont été retrouvés le cul à l'air, avec les boyaux défoncés. Bien, Oli, tout ça est vraiment tordant. Des yeux violets bleus. Tu es une vraie blonde, n'est-ce pas ? Oui, oui. Et une petite coquine, j'en suis sûre. Pas ce soir, je ne suis pas tentée ce soir, espèce de tortue, d'accord ? Lâchez-moi, ok ? Ouh. Avant que je hurle. Fais attention, c'est de l'alcool. Ça va te casser. En plus, je rentre en voiture. Vous vous amusez bien ? Non, jamais quand je fais une fête chez moi. Oh, ça peut bien être. Ah ! On devrait faire attention. Maggie va se poser des questions. C'est vrai? Merci beaucoup, Cathy. Il n'y a pas de quoi. À ton tour. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? T'as engrossé maman. Ah. Oh, c'est génial, ça. J'aurais les coudes bien au chaud, comme ça. Ah. C'est gentil, chérie. Alors, ce dîner en famille ? Oh, c'est gentil de t'intéresser. Passe jamais le réveillon avec deux vieux hindous. On aurait dit Gunga Din bouffant chez les frères Grimm. J'avais hâte que ça finisse, je te jure. Oh, tiens. Je pense que mon bébé sera content. Merci. C'est beau, j'adore. J'étais ton héros autrefois. Je suis sûre que tu te souviens même plus. Pas très bien, non. Quand je revenais du boulot, ça te rendait folle de joie.
Tu venais me chercher. Tu m'emmenais voir tes Barbies et tout le bazar. Et puis l'autre pute m'a foutu dehors. C'était juste avant Noël. Toi, tu t'es accroché à moi comme un pitbull. Tu voulais pas que je parte. T'es sérieux? Tu poussais des hurlements. Pourquoi j'ai oublié tout ça? Juste après ma rupture avec Rory, Jade s'est trouvé un nouveau copain. Et moi, j'ai passé Noël toute seule. Chérie, c'est moi. Vas-y, entre. Oh non. Papa est mort? Non. Oh la vache! Félicitations! Ça là. Je sais pas quoi dire. Je... Oui. Elle épouse à moustache. Oh non. J'étais sûre que ça te ferait quelque chose. Passe me voir, s'il te plaît. En fait, il faut que je te dise un truc. Oh, tu fais chier. Un instant. Ok, balance. Bon, le soir où on s'est séparés, j'ai pris 2 somnifères. Et par chance, Jade était là et elle s'amusait avec mes colocs. Alors, est-ce que les choses avancent? Oh, j'ai découvert que mon copain se tapait ma meilleure amie. Et je croyais que c'était fini avec ton copain. C'est exact. Maintenant, c'est définitif. Et plus jamais je leur adresserai la parole. Bonne décision. Vous en êtes où, vous? Je vais reprendre le travail. À mi-temps. Waouh! C'est vrai? Si tôt? Ouais, je me sens très bien. J'ai complètement retrouvé la forme, alors pourquoi pas? Paul n'est pas ravi. Si je l'écoutais, je resterais enfermée ici comme une poulinière. Tu sais ce que c'est? Un cheval abandonné? Tu n'es pas loin. Une bête faite pour la reproduction. Est-ce que vous voulez d'autres enfants? Non. Ça va? Waouh! T'es encore plus jolie que dans mes souvenirs. Et toi, toujours aussi gentil. C'est super que t'aies accepté de partager ce moment. J'espère que ça ne ternit pas ton image. Arrête tes bêtises. Pourquoi t'as fini par appeler? Parce que ton texto m'a fait rire. Attends, tu es majeure, non? Ouais. Alors, t'as qu'à commander du vin. Ils diront rien si c'est toi. Enfin, voilà. Pour aller à l'essentiel, depuis ce jour-là, ils s'en vont en l'air. Wow, tu les accumules. Je sais. Je tombe toujours sur les pires qui soient. C'est pourtant toi qui les choisis. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oui. Ce que je veux dire, c'est que ton vrai problème, ce ne sont pas les garçons. Tu es plutôt perdu, on dirait. À mon âge, on l'est tous, non? C'est pour ça qu'il faut d'abord essayer de bien savoir qui on est. Je suis la personne la plus paumée que je connaisse. Et je fais de gros efforts pour me comprendre moi-même. Et toi? Si je fais de gros efforts pour te comprendre? Pas vraiment, non. Quand vous le désirez. Ok.
Allô? C'est qui? Afi? Qu'est-ce qui se passe? C'est papa, c'est ça? Afi, parle-moi! Vous pouvez aller le voir. Quand il est tombé, il s'est ouvert la tête et il a perdu beaucoup de sang. Ils ont réussi à arrêter l'hémorragie. Maintenant, il faut attendre. C'est tout. J'avais l'habitude de lui servir sa bière. Je sais que c'est assez triste et déplacé, c'est vrai. Mais comme ça, je me sentais importante. Et aujourd'hui encore, je suis experte. La mousse ne déborde jamais. Et puis je me souviens aussi que je jouais souvent à un jeu avec mon père quand on regardait la télévision. Je lui disais, « Papa, est-ce que je peux goûter ta bière ?» Il attrapait son verre posé derrière lui. Et pendant ce temps, moi, je posais ma bouche sur son énorme bidon et... Et il faisait semblant de se fâcher contre moi. Et moi, je me marrais à n'en plus finir. Yes. Salut, je m'appelle Amy Graham, je suis le cours du professeur Gallows. Je ne veux pas vous importuner, mais c'est très très important et je n'ai pas son téléphone. Désolée, il n'est pas là. Quel dommage. Ok, Mais je peux peut-être lui laisser un message. Est-ce que vous pouvez lui dire qu'il y a eu un décès dans ma famille et que je rendrai mon exposé en retard? Pardon, quel exposé? Celui qu'il a donné. D'accord. Je suis désolée, toutes mes condoléances. C'est gentil. Thank you. Au revoir. Durant la semaine où j'étais absente, Margaret a trouvé du boulot. Elle va aménager une salle vidéo pour un type plein aux as. Ce mois-ci, elle travaillera de 9h à 15h, sauf le week-end. Pour que Kyle ne soit pas trop perturbé par le changement, à midi, Paul rentrera déjeuner à la maison. Tu n'as pas l'air trop affecté. Il avait une cirrhose depuis super longtemps. Je savais que ça le tuerait. Je m'étais préparée à la nouvelle. L'arrogance de la jeunesse. Faut pas dire ça. Non, dans ma bouche, c'est un compliment. Ironique, certes, mais c'est précisément cette arrogance qui permet aux jeunes de tenir. Comment ça?
La vie, ce n'est pas une partie de plaisir. Si les gamins le savaient, ils s'enfermeraient dans une cave avec une pipe à crack et n'en sortiraient plus jamais. Ils ne prendraient aucun risque, ne défendraient aucune cause perdue et renonceraient même à faire des études. Pourquoi s'emmerder, non? La mort de ton père est une affaire réglée? Grossière erreur. Tu t'apercevras vraiment qu'il est mort quand tu auras 30 ans, la décennie la plus pourrie de la vie. Le moment où les emmerdes s'accumulent. Qu'est-ce qui te fait rire? Vous? Dites-moi plus. Je veux tout savoir sur la vie. Oh, t'es encore là? J'y vais. À bientôt, merci. À bientôt. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Je reviens tout de suite. D'accord. Voilà ton argent et un peu de lecture. Merci. Au revoir. Au revoir. Chère mademoiselle Kampenfeldt, puisque vous avez exprimé le désir d'en apprendre davantage sur la vie adulte, voici 10 vérités bien amères que je soumets à votre lecture. 1. L'honnêteté absolue est un mensonge absolu. 2. Le mariage n'est sacré que pour ceux qui n'ont jamais été mariés. 3. Le bonheur repose bien plus sur l'argent que sur l'amour passionné. 4. Tout être humain est une somme de contradictions. Certains le cachent mieux que d'autres. 5. Ne sous-estimez jamais la capacité des êtres à agir contre leurs propres intérêts. 6. Si nous ne craignions pas la sanction, nous nous comporterions tous, ou presque, comme des sauvages. 7. Tout acte sexuel a des conséquences, le plus souvent terribles. Plus on vieillit, et plus le temps passe vite. Jusqu'au moment où les mois filent comme les journées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Avant que tout ne foute le camp. Il veut te sauter, c'est sûr. Il a la plus belle et la plus parfaite des femmes de la planète. Et tu penses que c'est suffisant pour que ça ne se produise pas? T'en as pas envie, toi? Jamais je ferai ça. Tu me connais pas. Tu es égocentrique? Tiens, c'est ma fête. Tu couches à droite, à gauche? Je peux pas m'en empêcher. Ça me fait du bien. Et puis, mes lecteurs n'attendent que ça. T'es une alcoolique en puissance? Non, pas du tout. Et ça veut dire quoi exactement? Que tu n'es pas encore accro, mais tu en prends le chemin. Ah. Ok. Je peux te demander un truc? Mm-hmm. T'es pas obligé de répondre. Mais... est-ce qu'on a abusé de toi quand tu étais petite? En fait, tu me... il rappelle une vieille copine d'école qui avait subi des abus. Vaguement. Enfin, ça dépend de... l'été avant le divorce de mes parents, j'avais 6 ans. Mon père s'était isolé pour bosser. Il écrivait un livre sur les pires blessures de l'histoire du sport. Et il voulait surtout pas qu'on le dérange. C'est un très bon sujet. Ouais, mais il l'a pas écrit. Enfin bref, comme on n'avait pas la télé, ma mère m'envoyait la regarder chez les Szilágyi. Et Madame Szilágyi me préparait d'excellents biscuits hongrois au pruneau. Et je regardais les dessins animés. Mais après, quand on était seul, Monsieur Szilágyi me prenait sur ses genoux et puis... et... il me tripotait. Il arrêtait pas de se tortiller. Merde. Mais tu sais, en fait, c'était agréable. Joël dit que je dois suivre une thérapie. Qu'est-ce que t'en penses? Tu as sûrement raison. Je suis d'accord. Tiens, tiens. Je vais te chercher quelqu'un de bien.
Je préfère une femme. L'un de vous m'a demandé à quoi Joël faisait référence quand il a dit que j'avais été en HP. À 13 ans, j'ai volé une boîte de somnifères à ma mère et j'ai pénétré chez un maître nageur dont j'étais raide dingue, en escaladant la fenêtre. Quand il m'a demandé de rentrer chez moi, je me suis mise à hurler comme une folle et je me suis enfermée dans la salle de bain. Ils m'ont gardée en hôpital psychiatrique pendant 3 jours. Depuis, je me méfie des thérapeutes. Et maintenant, je me dis que ce que Monsieur Siladji m'a fait, ça m'a peut-être affectée pour de vrai. Et que c'est pour ça que j'aime les hommes plus vieux. J'ai toujours cru que c'était parce que mon père était trop nul. Il faut que vous écriviez une lettre à Monsieur Siladji. Il est vieux aujourd'hui, il est probablement mort. Ce n'est pas pour lui. Kyle a encore fait une crise d'angoisse cette nuit. Je l'ai pris, il a continué à pleurer une demi-heure. On était morts d'inquiétude. Et c'est dû à quoi, votre avis ? Ah, c'est dû au fait que Maggie a repris le travail, mais elle refuse cette explication. Et qu'est-ce que vous allez faire ? Je vais lui montrer que je suis présent, en espérant que Maggie entendra raison. Elle a de la chance de vous avoir épousé. Rien ne l'obligeait à reprendre le travail aussi vite. C'est ridicule. Tu sais quoi? Je devrais attendre demain, mais allons-y. Bonne Saint-Valentin. C'est un médaillon. En attendant que tu aies des enfants, j'y ai glissé une photo de Kyle. Merci, c'est très joli. Qu'est-ce que t'es belle. Du coup, je passe pas mal de temps avec ce type, Joël Sedler. Il a beaucoup d'humour et... Tu es rentrée. Salut, chérie. À quelle heure elle a dit qu'elle envoyait les échantillons? Non. Je veux quelque chose de plus stylé que ça. Oui. Oui, c'est ça, oui. Demandez-lui. Très bien, je vous rappelle. Tiens, tiens. Pourquoi tu m'as pas dit que ton père était mort? Parce que tu me dégoûtes. Alors là, ça compte maintenant? Ben oui, parce que j'ai 14 ans de plus que toi et pas 23. Je ne suis pas mariée et en plus, je ne suis pas ton patron, moi. Pourquoi est-ce que t'en fais tout un plat? Je l'ai embrassé, rien d'autre. Oh, je t'en prie, arrête. Fais pas celle qui comprend rien. C'est pour ça qu'il t'a engagé. C'est une vraie pourriture. Tu crois qu'il vaut mieux? T'as un problème. Je sais. Je vois un psy. Très bien. T'as parlé de Spooner à ce monsieur? À cette dame. Et je n'ai rien dit. Par contre, je lui ai beaucoup parlé de toi. C'est bien. Merci. Lors de ta prochaine visite, tu pourras lui dire que c'est fini, t'entends? Tu m'oublies, on n'est pas prêt de remettre ça, c'est clair. Faut bien qu'il y en ait un qui trouve la force d'arrêter. Comme c'est moi l'adulte, c'est moi qui m'y colle. Elle ne m'appelle plus jamais. Ne vous en faites pas, on va vous trouver autre chose.
Je voulais pas que ça arrive. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais peut-être que si. Quand je suis avec lui, j'ai l'impression d'être importante. Plus rien ne compte. Cher docteur Sherman, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir trouvé le temps de recevoir ma petite Cathy. Elle est étonnante, n'est-ce pas? Unique en son genre. Bien qu'elle ait beaucoup apprécié cette séance, j'ai décidé de l'envoyer voir un autre thérapeute. Un spécialiste des adolescentes et des questions liées au corps et à la nourriture. Une véritable épidémie. Merci pour le temps que vous lui avez consacré. Bien, cordialement, Caroline Kampenfeld. Cathy, c'est Joël. Salut. Je voulais juste te dire que tu es un monstre. J'ai été très présent pour toi, et voilà comment tu me remercies. En ne me rappelant jamais. À part moi, combien y a-t-il d'hétéros au monde capables de t'aimer assez pour être ton ami, sans qu'il n'y ait rien de sexuel en retour? Tu veux savoir? Il n'y en a pas. Je n'ai que 3 ans de plus que toi, mais je suis sacrément plus réfléchi. Quelle connerie. C'est quoi ta vie? Pourquoi est-ce que j'ai éclaté en sanglots? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que Joël pense de moi? Et puis je me suis dit, pas de panique. C'est peut-être hormonal. Non, merci. Ok. Qu'est-ce que t'as? Comment ça? Tu dis jamais non. Pourquoi? Je suis enceinte. Fais chier. C'est bon. Arrête, je vais pas le garder. Et il y a de fortes chances qu'il soit pas de toi. Alors pourquoi tu m'en parles? Parce que tu veux que je fume du shit. Si t'as l'intention d'avorter, tu peux fumer du shit. J'ai pas vraiment décidé. On verra. On verra. Il y a combien de mecs à part moi? 2. T'es vraiment une pute. Tu me dégoûtes. Allô? Désolée, j'ai dû faire une erreur. Je cherche à joindre Joël Sidler. Qui êtes-vous? Cathy Kampenfeld. Vous savez qu'il souffre d'une grave dépression? Bien sûr.
on en parle très souvent ensemble. Il a fait une nouvelle tentative de suicide, au médicament. C'est très féminin. C'est moi qui l'ai trouvé. Ça a été le pire moment de ma vie. Il est hors de danger ? Physiquement, oui. Mais mentalement, je ne saurais vous dire. Il est à l'hôpital Saint-Jude. Est-ce que je pourrais le voir ? Non, c'est gentil, mais il faut d'abord qu'il récupère un peu. Vous voudrez bien prévenir quand je pourrai aller le voir ? Bien sûr, je vous le dirai. Merci beaucoup. Tu as bien fait d'appeler. Je suis contente. Si seulement il n'était pas allé chercher cette satanée carte. Quoi ? Quelle satanée carte ? Je ne savais pas si je devais te le dire. Quoi ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Une fois, je rangeais ses affaires. Et dans son placard, j'ai trouvé le caleçon que tu lui avais offert pour Noël. Je l'ai rangé et j'ai mis la boîte à la poubelle. Ensuite, lorsque ton père s'en est aperçu, il était furieux contre moi. Au milieu de la nuit, il s'est levé. Je lui ai demandé ce qu'il allait faire. Il a répondu « Fouiller les poubelles comme ta famille à Calcutta ». Un peu après, je me suis levée. Il faisait froid dans la chambre. La porte du jardin était ouverte. J'ai trouvé ton père sur le sol. Il avait glissé dans le noir en allant rechercher ta carte. Mais il n'a jamais ouvert mes lettres. Il n'en avait rien à faire de tout ça. C'est ce que je croyais, moi aussi. Mais non. J'ai trouvé ça dans son bureau. Ce sont toutes tes cartes. Fog tints the windows and clouds up the view. Sits in the trees and hugs the sky too. Mr. Blue Sky greets his old friend, blankets the earth to bring the year's end. There's a longing in the air. The nostalgia warms your heart and thank you.
as rendez-vous avec le docteur Sherman samedi à 10h. Je sais que tu ne l'as vu qu'une fois. Quoi ? Ce n'est pas négociable. Ouais ! Bravo ! Très bon anniversaire. Ouais. Merci, j'adore. Tant mieux. Il est très bon, merci, je suis très content. Oh mais non, fallait pas. Je sais. Alors, voyons ça. Qu'est-ce que c'est ? Très joli. Ah, c'est très mignon. Très mignon. Merci. Oh, on dirait qu'il veut se joindre à la fête. Non, non, attends, j'y vais. Alors, c'est comment d'avoir 43 ans ? C'est pareil que d'avoir 18. On a juste la colonne vertébrale un peu plus raide, c'est tout. Le voilà, mon vrai cadeau. Non, ne pleure plus, mon bébé. Pour Paul, pour ses 43 ans. Endormi dans le canapé, près de l'enfant endormi dans son couffin, deux vies séparées, étendues quelques instants, côte à côte, avant que les deux ne se réveillent et ne redeviennent père et fils. Je vous souhaite de rester longtemps ainsi, endormi côte à côte et vous réveillant côte à côte, partageant tout ce qui fait la vie. J'aimerais le partager aussi. C'est très beau. C'est vrai ? Ouais. Mon chéri. C'est pas grave, tout va bien. Tu comprends, n'est-ce pas ? Pardonne-moi. Vous n'avez pas besoin d'antidépresseurs. Cela n'a rien d'une dépression. Vous vivez un deuil. C'est tout à fait différent. Et je ne parle pas que de votre père. Quand j'étais au CE1, je mangeais des mouches et des fourmis pour écœurer les garçons. J'ai même avalé une araignée une fois. Au collège, j'ai arrêté de me doucher. Ma mère m'a dit un jour, « Pourquoi est-ce que tu traites ton corps avec si peu de respect ?» Je ne savais pas pourquoi. Mais maintenant, je sais. Vous deviez penser que j'oublierais, mais je me souviens de tout ce que vous m'avez fait. Parfois, je pensais que vous, vous oublieriez peut-être. Mais vous étiez un adulte quand vous avez abusé de moi. Si vous croyez en Dieu, ce que je pense, alors vous savez ce qui vous attend. Bien à vous, votre petite voisine Cathy. Cathy ? Madame Matsour ? Alors, cette grande épreuve ? Comment ? La vie libérée des études. Oh, c'est génial ! Bonne nouvelle. En fait, je dois vous avouer que c'est vraiment très dur. Tu m'envoies navrée. Mais c'est pas grave, je sais que c'est une mauvaise passe. Et que je vais m'en sortir. Fais attention à toi. Did you hear where I was going, my dear? Did you see me walking down that road? And do you understand that my life's now in its ends? And no, baby, you know I'm not very old. Mais on dirait bien que voilà l'une des plus belles personnes au monde.
C'est moi. Un problème? Je passais dire bonjour, c'est tout. J'y crois pas une seconde. Approche et dis-moi ce qui t'arrive. J'ai besoin d'un conseil. D'accord. Mais je dois d'abord vous avouer une chose. J'ai pas dit la vérité quand j'ai arrêté. Le mec de ma mère a découvert que vous aviez commis des violences sexuelles. J'y avais pensé. Je voulais être franche avec vous. Mais ma mère m'aurait punie jusqu'à la fin des temps. Elle avait peur pour toi. Normal, je suis une fille. Pourtant, t'es là. Pour quelle raison? Vous connaissez la vie. Mais je veux savoir ce que vous avez fait. Pourquoi? Il faut que je le sache. C'était il y a si longtemps. S'il vous plaît. Tu peux m'en donner une? Vous fumez? Je suis ce qu'on appelle dans les groupes de soutien un fumeur périodique. J'arrête, je reprends. Actuellement, j'hésite encore. Assieds-toi. Ah, le voilà. Par où commencer? Quand j'avais ton âge, Cathy, je n'étais pas vraiment un modèle de conduite. Je ne dessoulais jamais, j'avais les cheveux jusque-là, je portais une barbe de 3 semaines. Et à 19 ans, je me suis fait choper pour trafic de drogue. Donc, afin de m'éviter d'aller en tôle, je me suis engagé dans l'armée. Mais je me shootais à longueur de journée. Alors est arrivé ce qui devait arriver. On m'a exclu pour cause d'indignité et renvoyé chez moi. Et je me suis tenu à carreau pendant un bon moment. Jusqu'au jour où je me suis repris une bonne biture et je me suis pointé chez une femme qui était une prostituée. Beaucoup trop chère pour moi. Mais elle avait un faible pour les vétérans. Et le dernier truc dont je me souviens, c'est qu'elle a posé du rhum sur la table et une tablette d'acide. Quand le lendemain, je me suis réveillé en prison, je n'avais pas d'autre option que de croire sa version des événements et celle du médecin du service des urgences. Je n'ai pas vraiment commis un viol au sens propre du terme, mais néanmoins, c'était une relation sexuelle violente, et j'ai payé le prix. À toi. Dis-moi ce qui t'amène. Je suis enceinte. Je suis trop jeune pour avoir un enfant. Et je sais très bien qu'il faudrait que je me fasse avorter, mais... Mais les jours passent et je prends pas rendez-vous. En fait, je crois que j'ai peur d'y aller toute seule. Pas seulement, à mon avis. Tu as peur de le faire, c'est tout. Et pour une bonne raison. C'est que si tu fais ça, tu risques ensuite de t'en mordre les doigts. Tu as peur de le regretter. C'est possible. Mais tu sais, ils ne sont pas nombreux, ceux qui regrettent d'avoir eu un enfant. C'est vrai? Absolument. D'autres beaux conseils? C'est gratuit. Profite. Avec plaisir. Arrête immédiatement de boire et de fumer. Et ne revois plus aucun de ces hommes. Plus jamais. Abandonnez Paul?
Non, 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 ça va le rendre fou. Ma petite, attends, écoute-moi. Quand un homme marié a une histoire avec une fille très jeune, peu importe l'importance de son affection pour cette fille, il est toujours soulagé quand ça prend fin parce qu'il sait qu'il est embarqué dans un jeu très périlleux et que c'est une chance de s'en sortir vivant. Alors il m'aime pas? Pas comme tu l'entends. Mais si je plaque Paul, je vais perdre mon job. Eh bien, tu peux toujours travailler ici. Ma mère me tuerait. Tu n'as pas besoin de sa permission. Tu es adulte. Oui, mais elle me jetterait dehors et je... Tu sais quoi? J'ai une chambre qui vient juste de se libérer au-dessus de mon garage. Tu peux t'y installer si tu veux. C'est gratuit. Il est temps de commencer à prendre des décisions, jeune fille. Allez, viens, je vais fermer. Je vais te déposer. Tu as lu de bons livres récemment? Non, j'ai rien lu du tout. Mais j'écris en quelque sorte. Vous devriez être content que je tienne un blog. C'est une activité créative et une activité littéraire. C'est bien, mais je n'aime pas que ce soit public. Votre génération est trop accro au regard de l'autre. Je sais. On veut tous être célèbres, même quand on n'a aucun talent. Précisément. Alors quoi, je te dépose? J'ai envie de marcher. Dans ce cas... Merci pour tous vos conseils. Ah, il n'y a pas de quoi. Et pense aussi que tu n'es pas seul. Je sais très bien tout ce que tu ressens. Tu ne te sens pas prête à être mère. Qu'importe, garde l'enfant. Où est le problème? Je peux l'élever et toi aller et venir comme tu l'entends. Et être mère autant que tu te sens capable de l'être. Et si je fais pas ce que vous me dites, je peux quand même travailler ici et vivre avec vous? Bien sûr que oui. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont écrit que j'étais une tueuse d'enfants, même si je n'ai pas encore tout à fait pris ma décision. Si j'emménage chez Glenn, ce sera pour moi le début de la vie adulte. Je serai livrée à moi-même pour la première fois.
Ce serait enfin l'occasion de mettre fin à ce blog. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que je serai capable de vivre sans raconter tout ce que je vis? Est-ce que je peux cesser ce reality show pour devenir meilleur? Les gens qui rêvent d'une nouvelle vie réussissent-ils à tout changer? Ou bien reviennent-ils toujours vers ce qui leur est familier? Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je dois vous dire au revoir et me contenter de vivre. De vivre pour de vrai. Je m'appelle Carole Grantham. Je suis la mère d'Amy Grantham, plus connue sous le nom de Cathy Kampenfeldt. Quelques minutes après avoir posté son dernier message, Amy a reçu un appel depuis un numéro masqué. L'appel a duré 1 minute et 38 secondes. Quelques instants plus tard, Amy a pris sa voiture. Elle est partie et elle n'est jamais revenue. Personne ne l'a vue ni entendue depuis. Elle n'a pas retiré d'argent à la banque, ni utilisé son téléphone portable. La police pense que la personne qui l'a appelée ce soir-là sait sûrement où elle se trouve aujourd'hui. Je vous écris parce que j'ai besoin de votre aide. Lisez ce message. J'ai engagé un détective privé. Il a interrogé tous les gens qui connaissaient Amy. Il leur a montré son blog. Elle a changé les noms et tout ce qui permettrait de les reconnaître. C'est vrai, je me suis énervée. Eden, son petit ami, a confirmé que tout ce qu'Amy avait écrit sur lui était vrai. Il a un sacré caractère, mais il jure qu'il ne lui aurait jamais fait de mal. Dan n'est pas professeur d'université. Il tient un vidéoclub. Il dit que le récit qu'Amy a fait de leur histoire est assez juste, mais qu'elle ne lui a jamais dit qu'elle était enceinte. Le couple chez qui elle travaillait ne conteste qu'une seule chose, mais c'est la plus importante. Le mari nie avoir eu des relations sexuelles avec Amy. Jake Sadler est bouleversé. Il s'en veut d'avoir été si cruel dans son dernier message. Noël, la meilleure amie d'Amy, est toxicomane. Elle possède un numéro masqué, mais elle jure qu'elle n'a pas appelé Amy le soir de sa disparition. Roy Olsen, son patron, dit que tout ce qu'Amy a écrit sur lui est vrai, sauf qu'il n'a jamais proposé d'élever son enfant. Si vous avez été en contact avec Amy par mail ou par téléphone, et que vous possédez la moindre information susceptible de nous aider à la retrouver, je vous en prie, écrivez-moi à cette adresse. Amy est une très belle personne, extrêmement vive d'esprit. Elle est toute ma vie, mon âme. Depuis sa disparition, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir, je passe des heures à relire son blog. J'ai lu tous vos mails, tous vos commentaires, même les plus méchants. Et je me demande qui a bien pu lui faire du mal. Je crois entendre la réponse. Chacun d'entre nous. I did my time, I stood in line, I waited for so long. Standing sucker, sitting duck, I finally jumped this pond. And now I get this year to live, I'm gonna live it well. Cause I want something new to give, in my life show and tell.
try things, I'm gonna go there. Gonna take this all away. Test my limits, I'm gonna wing it. And there's nothing you can say. So here I go with an open heart, cause right now my life starts bum ba-dum, bum 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 ba-dum, da 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 da. Bum ba-dum, bum 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 ba-dum, da 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 da. Time to go off on my own, it's finally my turn. It's my turn. No rights or wrongs, cause from now on mistakes are how I learn. Now I get this year to live, I'm gonna live it well. Cause I want something new to give in my life, show and tell. I'm gonna try things, try I'm things. Gonna go there. Go gonna there. Take this all away. Just my limits, I'm gonna wing it. And there's nothing you can say. Heart, cause right now my life starts. Oh. But I know you're scared, no, and it's tough to bear so that tough. Your little girl just walked out the door. She's gone, she's gone. But it's time to see that that girl is me, it's and me. I just ain't that little anymore. Try things, try I'm things. Gonna go there. Go gonna there. Take this all the way. Test my limits, I'm gonna wing it. And there's nothing you can say. Nothing you can say. So here I go with an open heart, cause right now my life starts.